Chers pèlerins francophones, le Seigneur nous invite aujourd'hui à reconnaître les dons qu'il nous a faits. Il confie à chacun la responsabilité de les fructifier pour qu'il soit le sel de la terre et la lumière du monde. Cette parole du Christ a guidé les travaux de la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du Synode des évêques. Je souhaite la donner à tous alors que je vais me rendre au Bénin pour affirmer la foi et l'espérance des chrétiens d'Afrique et des îles adjacentes. Je confie à votre prière ce voyage et les habitants du cher continent africain, particulièrement ceux qui connaissent l'insécurité et la violence. Que Notre-Dame d'Afrique accompagne et soutienne les efforts de toutes les personnes qui œuvrent pour la réconciliation, la justice et la paix. Avec ma bénédiction.